Bonjour. Bonjour à toutes. Comment il est toujours avec euh, plaisir et euh, contentement dans le cœur que nous va faire un sauté de bread patate avec euh, sunuk et nous va commencer par préparer les bread patates euh, euh, comme Zoty voilà enlever le filage que les nards ont dedans c'est ça les désagréables hein, si Zotl l'a pas enlevé et Zot euh, va procéder un petit peu comme si zot est en train de trier euh, bread chouchou ou sinon ça est en train de trier euh, bread citrouille. Alors nous euh, nettoyons bien le, le, le bread parce que sinon ça si nous nettoyons pas du nous pas comme nous fait là, euh, sera un petit peu désagréable. Nina, il ne met pas du tout euh, la tige, Nina, il met que les feuilles, mais moi, il aime bien la tige, donc on va la mettre dedans, on a beaucoup de vitamines euh, là-dedans, et s'il nous parle bien du, du bread de euh, patate lui-même, alors les feuilles de ce bread-là, il est riche en protéines, en bêta-carotène, en calcium, il est riche aussi en fibres, et il est bon pour la prévention de euh, certains euh, cancers. Et puis, euh, euh, l'huile est aussi plus nourrissant que le chou. Hein. Il est riche en vitamine A et en vitamine C. Et euh, il est surtout un antioxydant. Et c'est plutôt Ban Chinois qui, euh, qui en servent un bon peu, ce, ce brais de patate-là, là-bas, dans d'autres pays. Alors, nous coupons le brais de patate comme Zotiwa en fines euh, lamelles. Euh, pas trop, trop, trop fin, juste des, des lamelles entre 1 cm, pas plus. Euh, pour, euh, pour faire euh, ce sauté-là. Quand on a fini euh, couper, nous prépare nos bonnes épices, nous prépare les oignons que nous va hacher euh, finement. Euh, pour ce sauté-là, nous avons besoin du piment, nous avons besoin de l'ail. Si tu veux mettre un morceau de gingembre dedans, la pointe de problème, vous as tu un morceau de gingembre. ne mettra pas de sel parce que. Ben, le sunuk est déjà assez salé. Il faut à nous aussi une tomate que nous allons couper en finement pour, pour notre préparation. Il faut à nous aussi du sunook, pas trop gros, un petit morceau, 100 g est largement suffisant pour ce que nous avons nous fait là. Pour à peu près euh, 300-300-400 grammes de bread de bread patate. Nous commençons par faire frites les oignons bien comme qu'il faut, fait, euh, pas faire suer suer comme il dit la euh, blondir hein, comme il dit, mais nous fait en sorte que l'île euh, roussille, l'île euh, rende tout son bon arôme et surtout ce petit côté croustillant qui fait que l a un goût extraordinaire. Alors nous mettons le l'ail avec le piment, le morceau de gingembre que nous l'avons écrasé euh, finement à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de mettre gingembre, hein euh, et euh, si vous ne voulez pas mettre de piment, vous ne mettez que de l'ail. Hein Des gens n'aiment pas euh, piment, ils n'aiment pas trop ces épices-là, assez forts, qui poiquent la bouche. Nous l'avons fini, préparer euh, les oignons avec euh, les épices écrasées. Quand on a fini fait ça, nous ajoute euh, le sounouk. Alors le sunouk, nous va émietter tout ça bien comme qu'il faut parce qu'il euh, faut enlever toutes les arêtes que l'on a dedans. S'il y a des arêtes euh, en, dans, le, dans le fricassé, dans, la, dans le sauté, il n'est pas trop, trop agréable. Alors ce que nous va faire, nous va bien faire rougir ça comme voyez, nous fait bien rougir et nous ajoute notre tomate. Nous, ça pas ajouté un tas de tomate parce que nous, ça pas fait un rougaille sous nous qu'avec bread de patate. Nous, ça fait tout simplement euh, un sauté de bread de patate. La, la tomate, c'est pour donner un petit peu plus de, de peps, mais un petit peu plus de vitamines. Déjà, dans le bread, on a quand même pas mal de, de vitamines. Alors, on le fait bien revenir à lui, euh, comme qu'il faut. Et comme ça, tu vois, dans nous te manger, euh, dans notre manger la réunion, Néna, quand il parle de 5 fruits et légumes euh, par jour, manger des vitamines, déjà là, nous, Néna, euh, euh, le bread de patate, que les riche en vitamines, est riche en fibres déjà. A le, lui il est riche aussi en protéines, attention, parce que le bread -patate, euh, de patate, il est aussi riche en protéines. C'est une source de protéines, environ 3 pour 100 micro. -rein. Alors nous, euh, Néna, aussi les, les protéines, que les, les dents, elle hein, est déjà dans le, dans le poisson. Que nous l'a fait avec et quand on a fini fait tout ça nous ferme la parenthèse quand on a fini fait tout ça nous mélange bien euh, notre bread de patate avec euh, la petite préparation que nous l'a fait avec le, euh, le sounouk euh, les tomates les oignons le piment le sel tout ça là. nous tonaille bien et il faut bien ce n'est pas obligé de faire à cuir parce qu'on a des gens trop fait à cuir parce qu'on a des gens euh, ils n'aiment pas quand est trop cuit. mais ça le bread de patate mais préfère à faire à cuire, à lui bien c'est vrai qu'il il il, il ressemble, il est un peu comme quand on mange des épinards. Quand on hein, mange des épinards, il est un petit peu gluant euh, dans la bouche. Le bread de patate, il a aussi euh, cet effet-là. Alors, nous tout a lu bien. Nous pouvons manger ce, ce bread de patate-là tel que c'est avec euh, du euh, riz blanc. Si nous n'a avons un peu de grain, nous pouvons manger avec. On va mettre à encore un peu plus de protéines euh, végétales. Sinon, nous peut faire un petit sauce piment, mange avec, ou sinon simplement craser, que m'invite Azote à, à aller regarder sur autre bonne vidéo sur Internet. Voilà, la recette l'a finie, mi remercie Azote d'avoir suivi ça, à Azote rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle émission. Tiens beau serrer largue pas